Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter un couteau. Alors ce couteau à la base est vendu en kit et j'ai monté donc mon acolyte puisque le projet s'appelle Acolyte Couteau. Acolyte Couteau, ça a été lancé par un jeune qui s'appelle Benjamin qui propose ça. Je vous mets tous les liens, site internet, Instagram, etc. en description. Son projet est simple, c'est de vendre un couteau en kit avec différents accessoires en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, par exemple, j'ai reçu le couteau avec son outil à sculpter. Je vais vous passer juste après les quelques images donc, de la création de ce kit, mais dans le petit i, vous allez retrouver la vidéo complète sur la page YouTube d'Acolyte Couteau. Maintenant, je voulais vous faire un retour en moi de cette expérience. Je trouve ça intéressant puisque c'est accessible à tout le monde, c'est extrêmement facile. Par contre, pour le mien, je suis obligé de le reprendre un petit peu. Je vais vous montrer. Le couteau est fait comme ça. Il y a deux vis que je vais commencer par défaire. Il faut faire attention puisque la lame est extrêmement bien affûtée. Et voilà le petit souci que j'ai eu. Alors, le souci n'est pas avec la lame. Je fais attention puisque là, j'ai deux petites rondelles. Voilà. Le petit souci que j'ai, c'est que cet axe-là est un peu trop long. Et quand je mets donc les deux parties du manche ensemble, je me retrouve ici avec un petit jour. Voilà, là vous le voyez bien, les deux parties sont serrées, mais derrière, j'ai un petit jour ici et j'en ai un autre petit ici. Si ça vous arrive tout comme moi, eh bien c'est simple, je viens de le passer à la lime. Il suffit, si ça vous arrive tout comme moi, il vous suffit de passer cet axe à la lime parce qu'il ne manque pas grand-chose. Effectivement, maintenant je n'ai plus de jour du tout, donc je vais pouvoir remonter mon acolyte. Pourquoi je vous présente ce projet? Tout simplement parce que je trouve ça innovant, et puis c'est un jeune qui lance son entreprise, et je trouve ça intéressant comme projet de pouvoir fabriquer soi-même son propre couteau. Bon, pour la fête des pères c'est un peu tard, mais effectivement ça peut être un très beau cadeau pour la fête des pères, pour une autre occasion, un anniversaire ou n'importe quoi. Vous pouvez facilement personnaliser votre couteau. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Soit avec l'impression laser comme ça, avec de la peinture, avec un vernis, hein, vous pouvez le faire avec plein de choses différentes. De toute façon, vernis, il va être verni, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Une fois que ça c'est fait, j'ai juste à repositionner donc mon manche sur mon couteau et je n'ai plus qu'à revisser le tout. Et oui, la lame est arrivée avec un tranchant parfait. Donc faites attention, surtout quand vous allez le manipuler. Le kit est extrêmement bien fait puisque vous avez toutes les consignes de sécurité, vous avez un mode d'emploi, tout est bien écrit à l'intérieur. Mis à part ce petit problème d'axe trop long, les kits qui ont été expédiés n'ont pas ces défauts-là, donc ça c'est une bonne chose si ça a été rectifié. Et après, c'est top quoi, pouvoir personnaliser son couteau comme on le veut, pouvoir sculpter le manche comme on le souhaite aussi, je trouve ça très intéressant, c'est un très beau cadeau. Si ça vous tente, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le projet complet en cliquant sur les liens qui sont en description.
En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, une bonne semaine à toutes et tous. Salut!